Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Voilà, TV du peuple RD Congo. Voilà, comme d'habitude, Wabeno Symphorien Mbalandaï. Mbotenabino Banso. Moyouen Bonso. Moyanyu. Menekenu. Voilà, c'est les langues du pays, il faut les mettre en valeur. Je sais qu'il y a quatre langues officielles, quatre langues nationales, et une langue officielle qui est le français. Mais dans nos provinces, nous devrions mettre en valeur nos autres langues pour que ces langues-là ne disparaissent pas. Il y a le Kichokwe, parlé par 2 millions de gens. Il y a le Tetela qui est parlé en termes de millions de personnes. Si vous prenez dans le Sankuru, une partie du Kasaï et puis une partie du Maniema, c'est le Tetela. Voilà, chers compatriotes, en Angola, il y a 7 langues nationales. 7 langues nationales en Angola. Pourquoi nous devrions nous arrêter seulement à quatre langues nationales reconnues? Voilà, chers compatriotes, passons à l'essentiel. Voilà, c'est un peu triste ce soir. Les rebelles occupent à Luéché, occupent la mine d'or de Somikivu, et c'est une mine où on extrait aussi un minerai stratégique très prisé qu'on appelle le niobium, je pense. Si je me suis trompé, ça doit être à peu près niobium ou niobium, oui, quelque chose comme ça. C'est un minerai qu'on rencontre quand on extrait, je pense, le coltan. Il accompagne parfois de l'or aussi, parce que Somikivu, c'est une mine d'or. Voilà pourquoi on dit que Kagame nous fait une guerre économique. Voilà. Il se dirige, maintenant ce n'est plus Goma, il se dirige vers cette mine-là. Ils ont occupé encore d'autres territoires dans les environs, comme Nyanzale et d'autres petites localités des environs. C'est un peu triste. Donc nous alertons les autorités de pouvoir utiliser beaucoup plus de force. C'est maintenant qu'il faut vraiment attaquer lourdement. Ils ne vont quand même pas nous prendre cette mine-là. J'espère que ce n'est pas pour longtemps qu'ils sont là. J'espère que notre armée, nos FARDC vont faire un grand effort avec les Oisalindo pour récupérer
s'est localisée là, y compris la cité de Lwéché où il y a la mine d'or Somikivu. La deuxième information que je voulais vous donner, c'est que le journaliste Boujakera, Stani Boujakera, a écopé de 20 ans de prison, selon le ministère public. Il a requis 20 ans de prison. Ça veut dire que il y aura une délibération. Le juge décidera s'il maintient les 20 ans ou s'il réduit. Voilà. Alors, je peux rapidement vous informer sur les raisons pour lesquelles il a été condamné. Alors, c'est publié par Ouragan. RDC, 20 ans de prison requis contre le journaliste Stani Boujakera. L'accusation a requis vendredi à Kinshasa 20 ans de prison contre le journaliste congolais Stani Boujakera, jugé pour un article ayant mis en cause les renseignements militaires dans la mort d'un opposant. Vous savez, Chérubin Okende. Voilà, et il y a... C'est qui réclame là? Vous allez le condamner à 20 ans de servitude pénale. Oui, c'est le ministère public. Vous allez le condamner à 20 ans de servitude pénale principale. Notamment pour contrefaçon, faux en écriture, usage de faux, propagation de faux bruits, a déclaré le procureur Serge Bachonga au tribunal siégeant dans la prison où est détenu le journaliste. Oui, donc, correspondant à Kinshasa du magazine Jeune Afrique, Stani Boujakera a été arrêté il y a tout juste 6 mois et jugé depuis octobre à raison d'une audience toutes les 2 ou 3 semaines. Il est accusé d'avoir fabriqué et distribué une note de renseignement civil incriminant les renseignements militaires dans la mort de Chérubin Okende. Retrouvé mort, le corps ensanglanté le 13 juillet dernier dans sa voiture. Alors pour votre gouverne, vous pouvez être informé que le juge... Le verdict final est que Chérubin Okende s'est suicidé. Et c'est d'après les enquêtes, des enquêtes internationales, d'après des enquêteurs internationaux qui étaient invités. Ils ont conclu à un suicide. Ils l'ont démontré. Et ça a été publié par le PGR hein, de la Cour de cassation. Il s'appelle encore comment? J'ai oublié le nom. Vous le savez. Ça se trouve dans les médias. Voilà, chers compatriotes. La défense du journaliste Boujakera conteste fermement ces accusations. Voilà. Ils ont contesté, mais bon. Il a été... Il sera peut-être condamné à 20 ans de prison. Dans cette affaire... Le chérubin Okende, le parquet a annoncé que l'autopsie et les expertises avaient établi que l'opposant s'était suicidé.
loin de la thèse de l'assassinat avancée par son parti, qui s'était aussitôt indigné d'un déni de justice. Mais après éclaircissement divers, on s'est calmé dans le public, ce que j'ai constaté. Les uns et les autres ont compris que ce ne sont pas des juges congolais, c'est des enquêteurs, des experts internationaux qui sont arrivés, qui ont enquêté et qui sont arrivés à cette conclusion-là, la conclusion du suicide. Voilà. Et il y a encore quoi ? Il y a les traîtres. Des traîtres qui ont été arrêtés à l'Est. Alors, parmi ces traîtres, il y a deux députés qui collaborent avec le M23. Je vais vous faire écouter. Kibouya Sabine Hope, que j'ai nommé en orchestre. Il est député provincial élu de la circonscription électorale du territoire de Rutshuru au Nord-Kivu en 2018, pour les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Kibouya Sabine Hope est né le 24 septembre 1986 à Vichumbi. Il est originaire de Kirima, secteur de Mutanga, territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Il est de la tribu Bundé. Il est âgé de 38 ans. Il est marié et père de 6 enfants. Kibouya Sabine Hope a été appréhendé le 15 février 2024 à Goma grâce à la collaboration et la dénonciation de la population. J'ai oublié un autre, c'est Sieur Ngoa Boulenda Germain. Il est là, on va vous le présenter. Revenons à Kibouya Sabine Hope. Honorable Kibouya, je ne sais pas s'il faut l'appeler honorable. Quelqu'un qui trahit le pays ne mérite pas ce qualificatif-là. À la suite de son interrogatoire, il est passé aux aveux. Il reconnaît avoir été recruté par un certain Bahati, membre actif et responsable des finances du mouvement terroriste M23. Il reconnaît aussi être agent sensibilisateur, recruteur et celui qui est chargé du vetting au sein du mouvement terroriste M23 à Goma. Tout celui qui est recruté passe par lui, celui qui valide le recrutement. Il vérifie s'il est qui, s'il vient d'où et s'il donne son quitus, eh bien, on le recrute par les Rwandais pour l'envoyer au mouvement M23. Il déclare avoir mené plusieurs actions d'espionnage au profit du Rwanda et avoir fourni des renseignements stratégiques, sécuritaires, militaires et politiques de la RDC au Rwanda à travers le mouvement terroriste M23. Kibouya Sabine Hope a déclaré lors de son interrogatoire mener des actions d'espionnage et de traîtrise avec la bénédiction d'une autorité militaire. Et cette autorité militaire, je vous le signale, est déjà interpellée et aux arrêts. Il a avoué être en contact permanent avec un certain Anderson, sujet rwandais. Le Rwandais Anderson est chargé de récupérer
les combattants du M23 recrutés par lui à Goma. Ces recrues rejoignent les rangs du M23 via le territoire rwandais, a-t-il précisé. Kibuya Sabine Hope a révélé l'identité de quelques militaires des FARDC et civils recrutés par lui au profit du mouvement terroriste RDF M23 et envoyé au Rwanda après son vetting. Il s'agit notamment du colonel Balingé Nebuko Salomon, du colonel Mirenge Patient, du colonel Moussa et un certain colonel John non autrement identifié. Parmi les civils, il a cité son collègue député provincial Aliongera Alain, qu'il a recruté. Il a aussi recruté un certain Kambale. Il a recruté Nzodero, Kabacha Ephraim, Koa Boulenda Germain, qui est là aussi. Il a également recruté le motard Imani Bahibika et Mohindi Préférence. Et enfin, il a reconnu avoir recruté Mourundia Mafluko Cyril, son cousin. À cause des services rendus au mouvement terroriste M23 et Rwanda, il lui a été proposé et promis la fonction de vice-gouverneur du Nord Kivu après la conquête de la ville de Goma par les RDF. Voilà, bande qu'on a bissot. Bon, Monique Batouana Bazali ba infiltraité, hein. Bazali ba congolais. Donc, parmi nous, les Congolais, il y a des traîtres. Les voilà. En plus des députés. Des députés provinciaux du parti politique Ensemble. Des députés de l'exercice 2018-2023. Voilà. Je pense que comme on n'a pas on a déjà élu d'autres députés, voilà. Donc c'est des ex-députés, je ne sais pas s'ils ont déjà cédé leur siège aux nouveaux députés qui siégeraient déjà, peut-être. Donc c'est des ex-députés. Comment on dit encore? On ne dit pas des ex-députés, mais il y a un terme. J'ai oublié le terme. Voilà. Vous n'aurez qu'à compléter, chers compatriotes. Ça arrive. Et voilà. Nous sommes des traîtres nous-mêmes. Il y a des M23 parmi nous qui collaborent avec les Rwandais, des Congolais qui livrent le pays aux Rwandais, qui travaillent pour Paul Kagame. Les voilà en chair et en os. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Faut-il une éducation civique depuis le bas âge? Ou faut-il peut-être appliquer la peine de mort? Les pendre en public pour faire peur? Il faut appliquer la peine de mort, hein. Elle est là, mais il faut lever le moratoire, hein. Pour ces cas-là, parce que nous devons gagner cette guerre, chers compatriotes, chers dirigeants, chères autorités, nous devons gagner cette guerre. Ces traîtres, il faut les juger
elle est condamnée à mort et exécuter cette peine de mort-là. Parce que là, ils n'ont pas peur. Ils seront emprisonnés. Mais ils ont peut-être des millions cachés quelque part. Didier Caméré nous a dit que beaucoup de trafiquants ont des comptes en banque, mais dans les banques rwandaises. Les voilà, les voilà. Ne cherchons pas loin, les voilà. Et le porte-parole de l'armée dit que ça, c'est un échantillon. Ils sont plusieurs. Hein. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Comment faire pour inculquer le patriotisme aux Congolais et à tous les Congolais? Comment conscientiser les Congolais? Comment est-ce qu'un Congolais né au Congo peut vendre son pays? Apparemment, ils n'en ont rien à cirer. Ils sont passés aux aveux. Mais quelle honte! Voilà, chers compatriotes, là, je vais clôturer, parfois on est fatigué et on pourra revenir encore aux prochaines émissions. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si c'est la première fois que vous venez, et nous disons toujours que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et nous terminons avec une chanson de victoire des Wazalendo. Ne soyons pas découragés. Courage, courage. On va les bouter hors de Somi. De Somi Kivu, hein? Oui. Hors de ces territoires-là. Ingeta, comme on dit. Autorisé l'État.